Un immense morceau de glace s'est détaché ces derniers jours de l'Antarctique et selon les experts chargés de le surveiller, il a commencé à dériver et pourrait constituer une menace pour la navigation. Il faut dire que cet iceberg mesure près de 700 km², c'est l'équivalent de Paris et les départements de la Petite Couronne. Le processus de détachement a commencé en juillet avec une fissure qui s'est nettement dessinée, mais la masse de glace est restée bloquée en raison de l'hiver austral. À présent, c'est le début du printemps austral avec un réchauffement du climat qui favorise le détachement de tels blocs de glace. La question est à présent de savoir ce que cet iceberg géant va devenir, soit il va peu dériver et fondre très lentement dans les eaux froides de l'Antarctique, soit il va remonter vers le nord et dans ce cas-là fondre plus rapidement. En tout cas, il sera étudié de près par plusieurs chercheurs de deux universités britanniques.